Bonjour à tous, la version de juillet de la tier list a été mise à jour. Pour rappel, qu'est-ce qu'une tier list? La tier list est une liste de cartes qui classifie les cartes de par ordre de puissance. S est égal aux cartes les plus imbas, les plus puissantes, les plus pétées de Clash Royale. A un peu moins forte, B un peu moins forte, C encore un peu moins forte. Et enfin D, on retrouve les cartes complètement nulles. Les cartes qui sont largement en dessous du lot. Dans cette vidéo, on va voir la tier list de juillet. Donc on va parcourir les modifications qui ont eu lieu sur la tier list au cours du mois de juillet. On va les voir en vidéo et les expliquer une à une. C'est parti. Alors, notre première carte qui a été modifiée. Le prince. Le prince. Qu'est-ce qui a été modifié chez le prince? Il est passé de la catégorie S à A. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a descendu d'un cran? Il est descendu d'un cran parce qu'il était très fort, ok? Mais il a eu sa portée qui était de 1,85 cases, qui a été réduite à 1,6 cases. Du coup, il a perdu. Il a perdu en range, il est devenu moins fort, il est devenu une carte, ok, il est plus une carte complètement pétée. Parce que du coup, bah, il tape plus à long range, mais enfin, il tape plus ou moins une portée corps à corps correcte. Longue, mais correcte. Seconde carte, qui était dans la catégorie S, qui est descendue tout en bas, nous retrouvons la tour de l'enfer, la tour infernale. Elle est passée de S à A. Pourquoi? Parce qu'elle a subi un nerf de 25% de sa durée de vie. Au lieu de durer 40 secondes, elle dure désormais 30 secondes. 30 secondes, qu'est-ce que ça veut dire? 30 secondes, ça veut dire que désormais, quand un golem part en fond de map par exemple, vous ne pouvez plus poser votre tour de l'enfer et tant qu'elle push golem, auquel cas elle sera déjà plus ou moins déjà morte. Et ça vous oblige à aller recycler des cartes, vous défaussez de cartes un petit peu sur la tour adverse du joueur golem, mais vous ne pouvez pas poser une TDE pour cycler une deuxième TDE. Ce qui le rend beaucoup moins fort sur, contre les archétypes beatdown. Cependant la carte reste très forte, elle est juste moins forte. Troisième carte qui est passée à la catégorie S à A, ça en fait beaucoup, hein. C'est la boule de neige. Boule de neige a subi un nerf de son radius. Pas un nerf énorme, mais pour autant un nerf qui a suffi à la voir disparaître d'un bon nombre de decks. Et désormais on ne la voit plus que sur un deck sur 5 dans la top méta, voire un deck sur 4 dans les meilleurs des cas. Mais en tout cas avant elle était omniprésente, désormais on la voit de moins en moins. Aussi à cause du nerf de la tour de l'enfer, etc. Hein, parce que du coup, les zaps sont plus efficaces, les resets et compagnie. On voit beaucoup de dragons de l'enfer, zap pareil. Bon, les deux se débrouillent bien dessus, mais en tout cas, le zap se voit de plus en plus être présent comparé à la boule de neige. Désormais, on est dans les cartes qui ont été EP, les cartes qui sont montées. On a la Cash Goblin qui est montée de B à A. Cash Goblin est devenue très 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 forte. Elle est devenue balèze, elle est devenue clairement la carte du mois de juillet. Pourquoi elle est devenue la carte du mois de juillet? Elle a subi un up monstrueux sur les dégâts d'attaque du gobelin, 25%, on est quand même sur quelque chose d'hallucinant. On est sur la durée de vie du bâtiment, c'est une carte qui va vous permettre de défendre, qui défend très bien Carabellier, qui défend Ogrider, qui défend etc. Qui vous permet d'avoir un play qui est très correct. Quand vous êtes à 10 d'élixir, ça ne vous expose pas. Vous posez une carte qui répondra que dans 20 secondes, donc vous construisez quelque chose, et en plus, le gobelin félon désormais demande à être répandu, il fait extrêmement mal. Clairement, Cash Goblin, carte pétée, carte du mois de juillet. Ensuite, on a la Valkyrie. Valkyrie a été EP de B à A. Pourquoi? Elle a subi un up de portée. Elle est passée de 1 portée à 1.2. Elle était déjà très tanky, elle attaquait déjà en zone, mais maintenant elle fait une zone d'attaque qui est beaucoup plus conséquente, et Valkyrie, clairement, est devenue une carte à ne pas rater. Charrette à canon. Charrette à canon est passée de C à A. La charrette à canon était une carte qui était assez enterrée depuis son nerf d'attaque speed. Désormais, elle a subi 40 000 up, elle est devenue un deuxième canon, le canon a été modifié, mais surtout, elle a une portée d'attaque qui a été augmentée, et du coup, elle est devenue extrêmement forte, extrêmement puissante. Au début, j'avais mis en S, mais je me suis dit, non, c'est un peu abusé. Vous m'avez également dit, non, c'est un peu abusé. Mais clairement, elle est devenue très forte. Sa portée d'attaque lui permet de connecter sur le bâtiment, mais une distance hallucinante. Et ça la rend tellement badass, tellement forte. Charrette à canon, clairement, une carte à surveiller sur le mois de juillet. Et la dernière des cartes qui n'a pas subi de modification, enfin, en fait, il y en a deux. Il y a la Tesla, que j'ai passée en A personnellement, parce que je la trouve très complète, qu'elle était en B. Et je trouve que désormais, vu que la tour de l'enfer est nerf, Tesla devient une alternative clairement viable. Son positionnement 2x2 est très solide. Elle permet d'oxyre un bébé dragon et plein de cartes comme ça. Clairement, Tesla est une carte à ne pas sous-estimer. Elle rend des archétypes comme 2.9 complètement viables à elle seule. Et ensuite, on a le Phantom Royal qui est passé de C à B. Effectivement, C, c'était un peu dur pour lui. Il a quand même sa technologie de furtivité qui est quand même plutôt badass.
Il peut faire des plays de malade, il peut forcer une pression, il force une réponse de l'adversaire. Il coûte seulement 3, clairement, le mettre en C, c'était un peu trop. Retournons désormais au... modifications donc au tableau global. Comme vous pouvez le voir, on retrouve en S les cartes du bébé dragon, du bûcheron, du prince ténébreux et du fut barbare. Le fut barbare, pourquoi? Parce qu'en fait, il fait 4 choses. Il est un log, ok? Il va tuer princesse, tart goblin, fripon, etc. Gobelin, gobelin lance. Ensuite, il est un mini tank, il peut tanker un petit peu pour vous. Il est également une carte qui peut aller détourner l'aggro des unités d'une façon qu'aucune autre carte ne peut faire. Vous pouvez faire retourner une PK sur son propre territoire, vous pouvez faire retourner un bouliste. Vous pouvez poser des cas, la fuite barbare directement sur le territoire adverse. Il y a, à part le mineur, il n'y a aucune carte qui permet de faire ça. Donc ça peut être que, limite vu comme un espèce de mineur, comme une espèce de bûche, comme un espèce de golem de glace, mais également comme une carte qui est comme une boule de feu si on veut, parce que ça peut aller gratter le bâtiment. Un fuite barbare non répondu, au niveau 9, ça met 318 dégâts sur la tour. Ça force l'adversaire à répondre dessus, c'est une carte incroyablement dingue. Toujours, malgré le nerf de la portée, etc., ça reste une carte qui est extrêmement complète et qui se verra utile dans quasiment toutes les situations. Ensuite, on retrouve en A, beaucoup de cartes. Bon, après, entre A et B, c'est difficile de dire. L'écart est souvent assez moindre entre A et B. Il y a des cartes, on est sûr que c'est du A, d'autres, on est sûr que c'est du B, et d'autres, bon, elles se situent dans un pile entre deux, c'est pas forcément évident de dire. Par exemple, voilà, cochon royaux, cochon... C'est pas évident de dire, parce que ça reste des cartes qui sont très bien, et voilà, y a pas, c'est pas 100% obvious. C'est plutôt basé sur à quel point ils peuvent se faire coutrer, counter par des cartes et compagnie. Donc en A, on retrouve un tas de cartes qui sont très fortes, hein, les archétypes géants royaux, golem, molosse, mineur également toujours très solide, archix aussi, les gardes toujours très forts, mousquetaire aussi, comme on l'a dit, un chat à canon, prince, valkyrie, les bats, la PK, l'AMG, même si elle a été nerf, elle reste toujours une très bonne carte. Fournaise, pareil, fournaise complètement insane, tour d'enfer comme on l'a vu. Bûche, c'est une carte qui rend des archétypes viables à elle seule. 84 dégâts pour 2 d'élixir, c'est vraiment beaucoup. Si vous mettez ça en boucle, c'est une carte qui ne peut pas être défendue et qui va forcément mettre 84 dégâts. Ça fait vraiment une grosse pression à elle seule tout au long de la partie. Foudre. C'est clairement mon sort préféré du mois de juillet. Il est très très fort, il est très réactif. Pareil, boule de feu, zap, c'est des cartes. Bah pareil, balèze, hein, c'est difficile de dire. Non, en fait, elles sont pas très fortes, donc clairement, elles sont très solides, tous ces sorts-là. On peut avoir, voilà, clone, rocket, qui peuvent être un peu en dessous, séisme, parce que c'est un peu plus situationnel, mais ça reste aussi un très bon sort, séisme. Et après, on a les cartes un petit peu moins fortes, alors pareil, la catégorie C, c'est plus dur de dire, parce que... Parce qu'il y a des cartes qui sont quand même bien, juste, elles sont peut-être un peu moins fortes, ou un peu moins jouées, ou elles rentrent dans moins d'archétypes. Et enfin, en D, évidemment, on retrouve nos cartes un petit peu moins fortes. Vous avez le lien de la tier list en description, donc si vous ne connaissez pas forcément bien le jeu, ou si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas à aller checker, hein, ça vous donne directement un ordre de grandeur des cartes les plus fortes du jeu à l'instant. Et évidemment, il y a toujours des points où on peut en discuter, on peut dire non, oui... Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez, et pourquoi essayer d'argumenter également vos propos. Perso, quand je fais la tier list, je vais aller checker toutes les stats, c'est basé également sur mon expérience personnelle, mais beaucoup sur les stats du jeu, et également sur vos retours à vous, donc je vous demande vos retours, souvent sur Discord, et du coup on ajuste en fonction de ça, on échange, et on établit un classement pour les cartes. C'est vraiment, le but c'est pas de dire, ok, ce classement là, c'est exactement ça, 100%, voilà, ça reste, ça fluctue en fonction des méta et du temps, mais c'est principalement un moyen d'avoir en visuel un aperçu à l'instant T des cartes les plus fortes et des cartes les moins fortes, pour que vous puissiez également vous dire, ok, je vais plutôt mettre ça, si je joue du prince ténébreux, du bébé dragon, du bûcheron, ça va sûrement être fort. Même si je mets d'autres cartes avec, ça reste des cartes qui sont très complètes, etc. Donc ça vous donne un aperçu des cartes, ça vous permet également au draft, etc. de savoir les cartes qui sont balèzes. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé, et je vous souhaite une excellente journée.